Asma, il y a 2 mètres là. La profondeur. 2 mètres, 3 mètres. Salam alaikum. Il y a 3 mètres là de profondeur. 2 mètres. Ouais, profondeur. 7 mètres. Il y a 7 ou 5. Ok, ici, moi 2 mètres. Ici, il y a 12. Ok, choukran. Ah, ici. D'accord. Merci hein. C'est gentil. Mais je me mets où ici? À l'encre? Vous pouvez aller là-bas. Là où il y a les gardes-côtes. Vous avez fait la paperasse ou rien? Ouais si j'ai tout fait à Alger. Non mais si c'est pour faire la paperasse, je m'en vais, j'ai déjà fait une fois. Ouais. Vous l'avez déjà fait? J'ai fait à Alger ce matin. Bon. Et ils vous ont donné un papier ou quelque chose? Non, rien. D'accord, qu'est-ce que vous avez besoin? Non, c'était juste pour voir, pour vous regarder. Ah oh, putain, mais je me casse alors je m'en vais. Un conseil. Ouais. Oui. Hein? Oui. Hein? Un conseil. Ok. Après bon. Je peux reculer? Le problème c'est qu'on a rentré, fait le demi-tour et on va sortir. Mais sinon je peux partir en marche arrière là. Ouais. Vous êtes déclaré à Alger? Ouais. Ouais. Mais j'ai pas le visa quoi. Rien, le gars il m'a dit vous pouvez venir manger un poisson ici, mais si j'ai pas le visa, ils vont m'emmerder quoi. Vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est gentil. Vous avez besoin? Non, j'ai tout, je vais à Cherchel. Ah, d'accord. Il n'y a pas de combien encore là-bas? Ouais. Et, Choukran, merci.
Cherchel, droit devant. Alors, j'ai essayé de rentrer dans le port de la Madrague. Et en fin de compte, heureusement que ce monsieur était là pour m'indiquer que c'était en sablé. Et j'ai vu ça, on est passé de 6 mètres à 2 mètres. Waouh, là j'ai un peu flippé. Et avec Imagine, il a super bien réagi, marche arrière, tout en marche arrière. Et je suis ressorti parce que j'aurais pu rentrer, faire tout un tour comme il m'a expliqué. Mais après, j'avais droit au garde-côte, de nouveau les mêmes questions, quoi. Et ils sont gentils, tout le monde est gentil, mais à la fin, ça me gave. Toujours les mêmes questions. Et tu voyages tout seul, toi t'es pas avec ta femme, toi tu vas avec les enfants, ça c'est déjà le premier pour démarrer, donc ça va. Et puis après il faut les papiers quoi, et puis les photocopies, et puis voilà, et puis on papote, mais c'est gentil, c'est bon enfant, mais on perd à chaque fois une heure quoi. Donc là j'avais pas envie de me retaper une heure, surtout que cette nuit je suis arrivé à 5h du matin à Alger, je suis arrivé tard, et j'ai très peu dormi. Voilà. Bon, bah Cherchel, c'est droit devant et paraît-il, c'est l'un des plus beaux ports d'Algérie. J'ai vu une photo, ça a l'air pas mal. Donc on va voir ça. Bon, alors on est à 40 degrés du vent. Et puis j'ai sorti le génois. On fait du 2,5. Il y a 8 nœuds. 8 nœuds de vent. Allez, les gens pêchent, les gens se baignent. Et puis alors, ce que je viens de voir, regardez derrière moi, un voilier. C'est le premier voilier que je vois en Algérie. Il est au moteur. Je vais le laisser passer pour voir. Le premier voilier, comme je disais. Bien sûr, ils viennent me voir, ça c'est sûr. C'est sûr, on se voit entre voileux, parce que là, quand même, ça fait 15 jours, il n'y a pas un voilier. Ah, un bateau algérien. Ouais. La voile en Algérie. Hein? Ouais, merci. Vous faites partie du... Vous... Hein? Non, Cherchel. Ouais. Non. Ouais, mais... C'est mieux. Ouais, non, je sais, mais... Il faut que j'avance. Moi, je viens de Tunis, là. Ah, vous venez de Tunis? Ouais. J'ai déjà fait 4. J'ai déjà arrêté Colo. Jen, ça va, c'est tranquille. Ouais. Béjaïa. Non, ils étaient gentils. Ouais. C'est ça. Oui, il y a un gars qui était avec toi. Ouais. Directement avec le match, j'ai essayé de partir. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, moi je filme. Ça nous voyage. C'est Imagine, il s'appelle le bateau. Hein? Le bateau. Le nom du bateau, c'est Imagine. Ouais. C'est un jeune ouvrier. Bon, ouais, le vent, c'est une merde. Que du vent d'ouest. Attention, mercredi, il y aura du poursuite. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ouest, ok, merci beaucoup. Et ne faites pas confiance à un avionique. Ouais. Les cartes marines, les joueurs ne sont pas actualisés. Ah, c'est ce que j'ai vu là, c'était. Exactement, la migration au Sablé, c'est des virus qui sont rentrés. Et là-bas, il faut faire confiance aux gros ports, c'est-à-dire Fénès. Ouais. Oran. D'accord. D'accord, j'irai à Ténès alors. Ténès, c'est intéressant. D'accord. Hein? Ouais, ouais, hier soir, ouais. Ouais, mais ça a duré 10 minutes, une heure, c'était réglé. Non, ils étaient sympas. Bah, merci encore.
Merci, au revoir. Ouais, pour l'instant, ouais. Oh ouais, ouais. C'est mieux que mal accompagné. Ciao. Merci beaucoup. Vous êtes très gentils, les Algériens. Très sympa. Allez, très sympa. Merci. Voilà, encore une fois, ils ont fait un détour pour venir me voir. Pour me prévenir. Attention, va pas là, fais pas ci. C'est gentil, c'est... Au petit soin, va plutôt là. Super. Bon, moi pour l'instant, mon bateau, bah, il avance tout doucement. On a combien là? 8 nœuds, 9 nœuds. Et en vitesse. Alors, on est à 2,6, m'a dit, on va pas très vite. Bon, je vais ouvrir un petit peu la GV. Donc, je me suis mis à 50 degrés du vent. Avec 8 nœuds, 8 nœuds, 8, 9 nœuds de vent. Donc à 50 degrés du vent, oh, je fais du 3 nœuds, 3 nœuds et demi. Pas terrible, mais ça avance. Oui. Ah, et puis ça va me permettre de faire reposer un peu ce moteur. On va peut-être aller faire une sieste, parce que j'ai pas beaucoup dormi. Je suis arrivé à Alger à 5h du mat. Et puis après j'ai eu un petit contrôle des policiers, ça n'a pas duré longtemps. Je pense qu'ils étaient fatigués aussi. Il faut quand même que je regarde parce qu'il y a pas mal de monde sur l'eau. Et juste devant. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bateaux juste devant. Voilà, ouais, ils doivent tous pêcher. Tous baigner. Ah puis là, il y en a deux sur le côté tribord, il y en a encore 3 de plus. Vous avez pas vu. Et encore une belle journée. Bien ensoleillé, que du beau temps, que du beau temps. Mal bon, le vent il est pas dans le bon sens, mais sinon c'est bien. Et au fond, Alger, la baie d'Alger. Et on file toujours à 3 nœuds. On devrait arriver sur Cherchel dans le port vers 1h du matin. En train de nuit. Alors, par contre, le gars là, qui était avec le voilier, il a dit que c'était ensablé. On va faire un pas de gaffe. Alors 17h, le vent est tombé. Comme très souvent, fin de journée, il tombe. Soit c'est pour changer de sens, soit c'est carrément pour tomber. Alors c'est un port à sardiniers ici.
Et les pêcheurs rentrent les uns après les autres.